Il était l'une des surprises réservées à Virginie Efira. Julien Doré est venu rendre visite à son ami de longue date sur le tournage en plein air de Chemin de Traverse. Diffusé mercredi 24 mai sur France 3, le premier numéro de la nouvelle émission d'Agathe Le Caron était consacré à l'actrice qui vient d'annoncer sa deuxième grossesse. Virginie Efira est déjà la mère d'une petite fille de 9 ans, prénommée Ali. Julien Doré est devenu père il y a 2 ans avec la naissance de son fils. Agathe Le Caron a profité de la réunion des deux amis et jeunes parents pour interroger le chanteur de Coco Caline et Paris Seychelles sur ce que le fait de devenir parent a changé dans sa vie d'artiste. Ça remet tout à sa place, a estimé Julien Doré. Si est-ce à dire que tout l'amour que je reçois quand je monte sur scène, de la part des gens qui ont accepté de venir me voir, n'est-ce pas le même amour? Il résonnait peut-être un petit peu trop pour moi. Et aujourd'hui, l'amour pour mon fils est au-dessus de ça, il est encore plus précieux. Julien Doré, les femmes de sa vie Roulier Doré, sa vanne piquante à Virginie Efira devenir parent signifie-t-il mettre sa carrière entre parenthèses? Pas du tout. Je travaille encore plus depuis que j'ai un enfant, s'exclame Virginie Efira en réponse à la question d'Agathe Le Caron. Me défaire pour mon enfant de quelque chose qui m'anime et qui me rend heureuse, ce serait lui faire peser le poids d'un sacrifice. Julien Doré ne manque pas l'occasion de vanner son amie actrice sur sa réponse. Je n'ai pas la même vision. Égoïste, plaisante-t-il, faisant éclater de rire Virginie Efira et Agathe Le Caron, avant de répondre plus sérieusement. Je comprends parfaitement. Dans mon cas, si est-il un petit peu différent, parce que si est-il toujours moi qui impose le rythme, explique-t-il. Si est-il l'immense luxe de cette passion quest la musique, j'écris quand j'arrive à écrire des chansons, je monte sur scène quand j'ai envie d'y aller, et ainsi de suite. De quoi laisser au jeune papa du temps pour organiser sa vie avec son fils. Crédit photo, capture d'écran France 3.